Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelques pépites pour vous, Miss Simone, en recherche d'âme sœur. Je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je fais cette vidéo pour vous aujourd'hui et pour remercier mes amis Luciane et Geneviève du formidable site qui s'appelle En Couple Simone et qui aide les femmes dynamiques à passer à l'action pour avancer vers l'homme de leur vie. Vous trouverez l'adresse dans le descriptif sous cette vidéo. Tout d'abord, point numéro 1. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur votre image quand vous voulez séduire. Donc, quand va-t-on enfin comprendre que vouloir être belle et se mettre en valeur n'est pas une préoccupation aussi futile que cela n'a l'air? Au contraire, c'est une préoccupation existentielle et essentielle quand on a besoin de paraître amoureuse. Car pour se mettre en posture d'amoureuse de l'autre, eh bien, il faut d'abord vous placer en posture d'amoureuse de vous tout court. La loi d'attraction en quelque sorte, vous connaissez? Deuxième point donc, ce n'est pas le regard des autres qui influence votre confiance en vous, mais le vôtre. Si vous vous sentez mal dans votre peau, c'est à vous de poser un autre regard sur les choses et sur vous pour que cela change. Il ne suffit donc pas d'être remarquable pour être unique, ni bien habillé pour être stylé. L'affaire est un peu plus subtile. Et pour devenir visible et distincte aux yeux des autres, il faut d'abord l'être devenu au moins un peu à ses propres yeux et choisir de montrer de soi ce que l'on tient pour être le plus fort et le plus vrai. C'est s'aimer soi, et cela par le dedans comme par le dehors. Et c'est alors que l'image et la mode sont une traduction du lien corps-esprit. Plus on se sent bien, plus on ose. Et les couleurs en sont un exemple, un excellent baromètre de notre morale. Le rouge en tête, symbole de l'énergie, ou le rose, symbole de la tendresse. Troisièmement, si se sentir bien dans ses vêtements est lié à un bon équilibre personnel, je vous invite alors à vous sentir libre d'adopter des tendances qui ne ressemblent et de vous affranchir de ce que l'univers de la mode propose. Vous savez, je pense, si vous avez suivi notre webinaire, que ma mission consiste à faire de toutes les femmes des femmes rayonnantes tout en les libérant du diktat de la mode et des médias. Et à l'opposé de ce dispositif narcissique aussi trompeur qu'éphémère qu'est la mode, apprenez à vous distinguer de manière plus juste, plus vraie, dans votre singularité authentique. Il s'agit de montrer une ou des facettes de vous qui paraît représenter au mieux ce que vous percevez de votre identité, votre signature. C'est elle que va lire votre futur prince. Mettez-vous en lumière, rayonnez, apprenez à vous révéler, à révéler ce féminin, ce beau qui est en vous, et passez à l'acte avec délicatesse, détermination, résolution. Quatrièmement, entrez dans le plaisir, car prendre soin de soi, c'est certes se chercher, se comprendre ou se retrouver au plus profond, mais également se faire plaisir, se soigner, cultiver son corps, son esprit et son bien-être de mille manières. Ainsi, se mettre sur son 31 et améliorer son image en adoptant un style qui met vraiment en valeur fait partie de ces facteurs aidants et plaisants. Cinquièmement, c'est l'effet miroir. Cela peut sembler futile, pourtant, en prenant soin de vous, en prenant soin de soi, on se sent immédiatement mieux. Quand on se sent bien, on se libère de ses angoisses, on peut entreprendre de nouveaux projets, on peut repousser ses limites et on entretient évidemment de meilleures relations à tous les niveaux. On est plus radieuse. Du reste, notre homme se sent lui-même bien sûr valorisé si on se fait belle. Et c'est la réciproque pour lui. Il s'agit donc d'un remède au quotidien qui est aussi un cadeau à l'autre. Sixièmement, point ô combien important, apprenez à vous connaître et à ce qui vous va, les couleurs, les formes, la silhouette, les longueurs, les proportions, les volumes, la coiffure, le maquillage. Je vous ai parlé de tout ça dans la webconférence et de tout ce qui fait partie de la formation « Première impression 100% pour soi ». Pourquoi ? Parce qu'à partir de cette bonne connaissance de vous-même, vous allez pouvoir oser. Osez penser que la beauté et l'harmonie ne sont pas un luxe, mais un plaisir, un cadeau que l'on se fait et que tout le monde peut recevoir. Osez dérégler la routine et remettre en cause ses habitudes. Osez être tout à fait vous-même. Osez ne pas avoir peur de l'inconnu, de ce que vous ne faites pas d'habitude. Osez se remettre en question avant même de se poser des questions. Osez allonger le pas, pousser d'autres portes et découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles sensations, de nouvelles esthétiques.
oser rayonner tout simplement, oser avancer en confiance et en beauté, oser demander, recevoir, offrir des conseils et vivre un peu beaucoup passionnément cette éclosion. Septièmement, plus concrètement, marchez en ayant quelque chose dans la tête et quelqu'un dans votre cœur. Ayez une vision de vous-même plutôt que de suivre le conseil du dernier mascara ou du dernier hit bag. Votre allure et votre démarche s'en ressentiront immédiatement. Du coup, souriez. Vous savez que sourire engage 13 muscles alors que faire une mine renfrognée, 110. L'élégance, donc, au-delà de l'apparence, est dans la réflexion, l'attention aux autres, l'espace qu'on leur octroie dans un cheminement personnel. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais si vous désirez par exemple avoir des indices pour arriver à montrer davantage votre part féminine à travers votre image, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo dont je vais vous donner l'adresse sur ma chaîne YouTube dans le descriptif aussi ci-dessous. Donc voilà, dans cette courte vidéo, je vous ai donné 7 conseils. Votre image est importante, complexe et subtile car en lien avec votre identité, donc rien de frivole ou d'essentiel. Commencez par vous aimer vous-même. Libérez-vous du diktat de la mode et des médias. Prenez du plaisir, c'est de la joie, du bonheur, c'est un jeu tout ça. En prenant soin de vous, vous valorisez votre homme, actuel ou futur. Tout cela passe par une excellente connaissance de vous-même et ça à tous les niveaux. Et enfin, adoptez une démarche d'une femme ayant de l'allure, ayant une vision positive et rayonnante d'elle-même. Souriez à la vie. Pour aller plus loin, allez chercher tout plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou dans ma formation en ligne. Il y a plein d'informations que je vous offre. Alors Miss Simone, prenez-vous en main. Vous le savez, vous êtes des diamants, des pépites si précieuses pour vos hommes. Vous avez déjà l'homme de votre vie, à vos côtés déjà, ou bien qui vous attend. Donc montrez-lui votre lumière pour lui montrer le chemin. Je vous adore. Brillez, rayonnez. Vous pouvez retrouver les informations de En Couple Simone, leur site internet, leur page Facebook et tout ça, dans les infos situées sous cette vidéo. Et moi, je remercie encore de tout cœur Luciane et Geneviève qui sont basées au Brésil et que je me réjouis de rencontrer d'ici quelques jours à Paris. Merci à vous deux et merci encore à toutes les Simones.